Salut gang! C'est encore moi, Cindy la tenante. Je m'installe, je me prépare en mettant mon iPad de côté. Le temps que vous arriviez, pas de côté, mais pour le mettre au bon endroit. Puis, ça va me faire plaisir. Je vais commencer ça avec le tirage des gens qui ont commenté le live. Fait que ce sera pas juste le temps d'installer mon iPad qui load pas. Puis, je vous fais ça. Le temps que vous arriviez, de toute manière, il n'y a personne pour le début, donc... Des fois, la technologie, hein? Ça va à peine, ça va à peine. Salut, Nathalie Ouellette! Je regarde en même temps, en tant que petite hyperactive de nature. Bon, mon iPad a décidé de repartir au complet. Fait que ce que je vais faire, je vais commencer par faire le tirage de tous ceux qui ont commenté le live. Puis quand ça va être prêt, je vais installer le tout. Je m'excuse d'avance si mon chien crie en arrière, si mes chats se battent. D'habitude, vous trouvez ça cute. Mais là, salut! Mais là, mon chum est parti avec un des chiens, fait que l'autre capote. Fait que c'est pour ça que j'ai bien hâte qu'il revienne pour pas que ça vous gosse trop, mais ça devrait être possible. Donc, voilà ce qui était attiré dans le live. Là, en arrière, vous voyez mon mini qu'on va faire tantôt, mais il y avait des doulises dans le prix. Un chipboard de petite fée, ben il est plus grand. Le die-cut rayon de soleil de Lime Citron, qui est plus sur sa boutique. Salut Nicole! Nicole, si j'ai le temps, je vais mettre des wax. Je fais des blagues. J'ai de la misère à mettre des wax, hein? Et des petits embellissements de Timose collants. Des petits tags, là, des fois, on aime ajouter dans nos créations. Donc, ça, c'était le tirage que je faisais. Donc, j'ai eu quelques noms que j'ai écrits sur des papiers ici que je vais tirer avant de commencer. La personne qui va gagner, si tu n'es pas en train de regarder, inquiète-toi pas, je ne tricherai pas, je vais t'appeler ou t'écrire en privé, ça va me faire plaisir, puis on verra, là, malgré le confinement, comment je peux t'envoyer ou comment on peut, si tu restes à Québec, Beauport, moi, je recommence à travailler la semaine prochaine, donc ça va être facile pour moi d'aller le livrer à ta porte, sinon. Donc, le ou la gagnante, ben non, il n'y a pas de le, tu sais bien, hein? Tu sais bien qu'il n'y en a pas. Alors, la gagnante est... Cynthia Landry! Alors, Cynthia Landry, il me fera plaisir d'aller te porter ça sur ton perron à Beauport. Oh, j'ai dit à tout le monde que tu restais à Beauport. Alors, félicitations, belle Cynthia Landry. Je vais t'apporter ça avec plaisir, ce cadeau-là. Tu vas être contente. Voilà. Alors, vous vérifierez après le live. Je vais concocter un petit cadeau que je vais faire... tirer de la même façon avec quelques questions. Comme ça, on va pouvoir... je vais pouvoir aussi te gâter parce qu'on est tous chez soi. Puis j'aime ça gâter les gens qui soit commentent ou soit les gens qui sont avec moi sur les réseaux sociaux. Vous me connaissez, je suis comme ça de nature. Là, j'espère que mon iPad, c'est ça. Le temps que je me sette ça, je vais y fermer la boîte pour pas que je vous entende. Puis là, je vais être capable de voir les commentaires en direct. Ça va me faire plaisir de pouvoir vous répondre à ce moment-là. Donc, aujourd'hui, ce qu'on fait, gang, on va... je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi ce cours-là. C'était un cours que j'avais donné... c'est un petit bout à l'automne, un mini qu'on a fabriqué tout le monde ensemble. Puis, on faisait quelques pages et tranquillement, pas vite. Excusez-moi pour le chien. J'ai réussi à le terminer un petit peu. Il me reste quelques pages. Pauvre petit cœur, hein? Mon chien, pense qu'elle s'ennuie. Là, je les monte vite, là, mais tranquillement, pas vite, j'ai avancé. J'avais offert le choix, est-ce que je continue cette page-là, que je n'ai pas terminée, ou j'en commence une nouvelle. Vous aviez la plupart tous dit de commencer cette nouvelle. J'essaie de voir le iPad, on voit pas les foutus commentaires. Je vais aller voir... commentaires désactivés, mais je veux les activer. Ça se peut, hein? Vous vous rappelez qu'il y a un chien. Pas un chien, mais il y a des chats. Donc, je veux juste installer les commentaires avant de commencer pour pouvoir voir. Comment on fait? D'habitude, c'est moi qui est technologique.
Mais là, ça fonctionne pas. Activez les commentaires peut-être. Activez les notifications de direct. Je pense que ça va marcher si je fais ça. Non. De direct, non, voilà. Peut-être parce que c'est l'iPad puis que ça marche pas. Crime bin, je vais être obligée de le faire debout. C'est pas grave. En tout cas, un jour, je vais y arriver. C'est que si je veux vous voir vos commentaires up-to-date, je dois travailler debout. Et des fois, je suis mêlée quand je suis debout. Mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais commencer pareil. Donc, cet album-là avait été fait avec... C'est des albums qui sont de Fabrica Décoru. Ils viennent... avec une couverture de vinyle, et à l'intérieur, il y avait, je pense, c'est 24 pages à faire, fait que c'est quand même long. Pour ceux qui veulent un projet de longue haleine, là, c'est quand même intéressant. Puis, on avait pris la collection Sentimental Love, puis on s'était amusé. La gang, fait que là, mais c'est sûr que je continue dans les mêmes teintes, je continue avec la collection Sentimental Love. Vous savez, il y a soit les die cuts à la page, mais je vais aller vous le chercher, comme ça va être plus simple. Donc voilà, la collection est Sentimental Love. Ça va aller mieux comme ça. Salut Lynn! Je vais pouvoir vous le montrer. Ils peuvent... Là, c'est sûr que là, je l'avais pas choisi. On pourrait le mettre dedans. Mais dans le cours, il était pas compris. Il y a des autocollants qui viennent chez Fabrica Décoru. Et dans chacune des collections, que ce soit petite ou grande... Que ce soit petite ou grande, dans le fond, la page couverture, je sais pas si vous voyez, vous voyez pareil... Il y a toujours l'image qu'on peut découper, qu'on peut s'amuser. Souvent, hein, il y en a qui aiment ça faire ça devant la télé. Ben, c'est ça que j'avais fait. Fait qu'il me restait beaucoup, beaucoup de die-cut du cours. Et dans le fond, j'ai découpé les deux pages couverture de la collection pour que j'aie plus de die-cut. Puis ça, ben, comme je l'avais pas proposé dans le cours, je le prendrai pas aujourd'hui. On a en masse de stock pour se faire des belles pages. Fait que là... J'ai mes die-cuts qui sont pas loin. J'ai mes retailles parce que dans le cours, on avait utilisé beaucoup, beaucoup, beaucoup de retailles. Fait que c'est ce qui me reste pour aller venir me faire des embellissements à l'arrière de mes photos. Je m'étais pris une coupe de photos aussi dans les bonnes teintes. Donc, à ce moment-là, ça l'aidait. Je pense que mon amoureux est arrivé, donc c'est super. Le chien m'a arrêté de japper en arrière. Hein? Youpi! Donc, j'avais les photos aussi. Ça l'aide beaucoup à faire les embellissements. J'ai mon bloc acrylique avec mes deux encres préférées. Soit que j'utilise la VersaFine ou l'Archival Ink. Comme ça, ça m'aide à faire celle-là est plus vieille. Donc, moi, c'est quand je veux faire du noir, mais pas trop opaque. Celle-là, elle fait vraiment les petits détails fins dans les étampes ou dans les... Ouais, dans les étampes, dans le fond. Puis là, j'ai un paquet d'étampes que j'utilise pour faire mes embellissements, qu'on va s'amuser. Je ne sais pas lequel je vais prendre. Vous le savez, j'aime beaucoup improviser, donc ça va être à ça qu'on va vérifier. Donc, voilà le tout. Si je vais trop vite, vous me le dites. Si vous avez des questions, vous les posez. Je reste debout pour interagir avec vous. Puis, je vais réfléchir à mes questions aussi pour faire gagner le prochain prix. Super! Et mon chum arrive de la poste avec des cadeaux. J'ai vraiment hâte de voir c'est quoi. Ben, en fait, ça doit être des cadeaux que je me suis achetés, mais c'est pas grave. On est content dans ce temps-là. Hein? Donc, j'ai hâte. Après le live, je m'en vais déballer ça. Oui, ça va être le fun. Je vais-tu être capable de toffer ceux qui me connaissent avec mon magnifique TDAH et mon... Comment je pourrais dire TDAH et ma curiosité intense? Ben oui, je vais réussir. Bon, OK, super! Aujourd'hui, ce qu'on va travailler, c'est une page double. D'habitude, j'utilise plein de petits rapiècements, de petits racoins. Là, j'aimerais ça utiliser la page double, mais je l'ai déjà fait là, ici avec... voyons, je viens de le passer. Tu sais qu'on le relève. Fait que j'aimerais ça le laisser là, qu'on soit capable de travailler comme si c'était dans le papier, les papillons. Des cadeaux pareils, ça se fait plaisir à soi-même. Oui, vraiment, Émilie, t'as raison. Puis, tu sais, en confinement, là, c'est un peu la façon qu'on a de se faire plaisir. On peut encore, ceux qui ont des sous, malheureusement, je suis désolée pour
pour les autres, puis tu sais, qui, je pense que c'est un moment plus rough à passer là, au niveau monétaire, mais si on est capable encore de s'acheter des petites gâteries, c'est plaisant. Parlant de gâteries, c'est vrai, je voulais parler de quelque chose. Celles qui me suivent, je pense que je l'ai mis dans mon compte personnel et non sur ma page. Tantadam! Avez-vous vu passer, depuis le 1er avril, Madame Lim Citron, qui est mon amie, avait fait un post sur un nouveau produit. Il y en a des gens qui pensaient que c'était un poisson d'avril. Ben non, c'était pas un poisson d'avril. Puis c'est un produit vraiment super, là, j'ose pas bouger, mais je vais vous montrer le résultat. C'est un produit où c'est une matrice de coupe. Oups, vous allez le voir pareil. Une matrice de coupe qui se superpose sur des feuilles de papier. Et en découpant, Big Shot, Cuttlebug, et ça vient vous faire plein de petits titres, petits sous-titres, petits embellissements qu'on peut ajouter à nos créations. Donc, c'est sûr que j'ai fait juste une page avant le live parce que je voulais pas toutes les faire non plus. Puis, celles qui me connaissent, j'aime pas briser ma plaque de Big Shot. Je suis vraiment drôle de même. J'ai plein de dailles, mais j'ai de la misère à briser ma plaque de Big Shot. J'aime ça quand tout est tout emballé, tout est beau, tout est neuf, moi. Mais je barre mes pages. Mais moi, toutes mes affaires restent emballées. C'est vraiment drôle. En tout cas, j'ai un petit toc de cette façon-là. Fait que là, j'ai baptisé ma Big Shot tantôt avec ça. Et, je suis vraiment en amour. Il y a soit les papiers noirs, les papiers craft ou les papiers blancs. Mais il y a certaines éditions, certains thèmes, parce qu'il y a le thème voyage, il y a le thème COVID-19, le thème photo, puis il y en a un autre thème aussi. J'ai mal fait ma commande, fait qu'en tout cas, c'est pas grave, je me suis trompée. Il y a 4 thèmes et je le sais que les feuilles craft, malheureusement, avec ce qui se passe dans le monde, ben c'est plus difficile pour l'Imstran de se réapprovisionner. Bon, j'ai magané le mot, hein? Mais c'est ça. Oh oui, ça se peut, Lynn, que j'ai pas vu tes plaques. Moi, j'aimerais ça acheter des découpes déjà faites à des gens. Comme ça, je briserai pas ma Big Shot, puis je serais contente. Mais bon, ça, c'est ma partie. Mais oui, la feuille craft, c'est plus difficile pour Madame Lim Citron de se réapprivoiser. Pas capable de le dire, ce mot-là. Fait que, je vous le dirai pas. D'en retrouver. Fait que, dès que ça va revenir, là, sautez là-dessus s'il y en a des thèmes que vous aimez, puis qui ont encore des papiers craft, allez-y. Lâchez-vous lousse. Bon, super. Fait que là, première étape, quand on fait une page, je vais revenir à mes moutons, c'est qu'on choisit nos photos. Souvent, les gens me demandent où c'est prends, toi, tes photos. Ben, je triche. Mais là, c'est sûr qu'avec la quantité de chats et de chiens, je devrais arrêter de tricher, vous allez me dire. Mais bon, je triche encore. Moi, j'aime bien les animaux. J'aime bien m'amuser dans le noir et blanc. Donc là, je vais venir choisir quelques photos. Comme je disais, j'ai rien choisi d'avance. Mais là, j'ai comme le goût d'y aller avec les lions. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a de l'allure. Il y en a-tu qui, comme moi, trichent puis achètent? Sans finir des photos de Pinterest. J'ai vraiment un abusage intense. Mais bon. On a tous nos petits défauts. J'en ai beaucoup, mais bon. Si c'est tous des petits, c'est correct, hein? Pensez-vous? Mais direz. Bon. Fait que c'est à peu près ça que j'avais dans le lion. Puis je n'ai, mais c'est sûr que mon mini, j'aime mieux des fois prendre des petites pages. On va voir s'il m'en reste. Sinon, j'aime le tigre. C'est les mêmes photos, moi. Donc, je ne suis pas sorcier. Ah, ben, je suis désolée, pas très lion. Fais semblant, c'est un chat. Puis oui, lion, il brisera pas les papillons, là. C'est beau dans la nature. C'est sûr qu'il y a des papillons qui vont sur les lions. Ils savent pas le danger, les papillons, hein. Moi, j'ai confiance. J'ai confiance que ça irait bien des papillons et un lion. Ah ah! Mais, pas grave. Faites à semblant que c'est beau. Celles qui sont pas lions.
Regardez les papillons. Je suis comique, hein? Donc, voilà. Ça m'énervait, il y avait un petit rebord noir. Donc, ça sera ces deux-là. Comme, écoute, des liens avec des fleurs, ça va être magnifique. Je pense que j'en ai mis. Attendez, je vais essayer de vous en retrouver ailleurs. Dans le mini. Où est-ce que ça... Regardez. Ça fit. Ça fit, ça fit. Sinon, il y en a-tu un autre? C'est des tigres. Puis un lion. Ben oui. Ben oui. C'est sûr que si j'avais des photos de mariage, je les aurais mis là-dedans. Ou si j'avais autre chose. Mais j'ai pas de photos de mariage. Puis je le dirai pas trop fort. Parce que... Il y en a un pas loin qui veut juste ça, se marier. Donc là, celles qui me connaissent, je vais aller voir qu'est-ce que je vais faire comme embellissement avec mes retails qui me restaient. Puis, avec tout ça, on va brocher, puis ça va bien aller. J'ai plein de papier sur le côté. Donc, ça va être une bonne étape de fait. Ouais, ben oui, un thème noir et blanc. En fait, moi, dans la vie, là, il y en a qui scrapent pour une histoire. Moi, je scrape par plaisir. Je suis peut-être mal faite, Émilie, mais non, c'est ça. Il n'y a pas de thème. C'est pas mes photos, hein. Comme je disais, c'est des photos Pinterest, comme la plupart du temps. Donc, je vis bien avec la Discord. Puis, en fait, le thème, oui, c'est que la couleur se suit. C'est drôle, hein? Oh, je me trouve comique! Ben non. Mais c'est ça, souvent, j'y vais avec vraiment un petit... C'est ça un peu mon thème. Fait que là, comme je disais, celles qui me connaissent... Je broche au lieu de coller. Si vous êtes patiente, collez. Moi, brocher, ça fait bien mon bonheur. En fait, je vous montre que dans la vie, là, je réfléchis pas souvent longtemps sur mes créations. Donc, je vous montre un peu comment je le fais en... Comment je pourrais dire? En temps réel. Là, celle-là, je vais utiliser de la colle parce que sinon, ça va vous faire moins beau. Cette colle-là, c'est une colle Fabrica décorue que j'adore. Celles qui la connaissent, elle ressemble à la Takiglou, mais sauf qu'elle est transparente. Puis, elle n'est pas aussi intense que la 350M ou... pas 350M, je vous dis n'importe quoi. Attendez, je vais vous la sortir. Je vais trouver le... Non, je ne l'ai pas avec moi. Tu sais, la Elmore, celle-là qui remplace le fusil à colle chaude, mais qui est en liquide. Ben, elle n'est pas aussi intense que ça, mais elle sèche quand même assez rapidement, puis elle tient bien les choses. Donc, pour mon transparent, j'avais coupé au préalable les papillons pour pas que ça soit trop droit. Puis, je vais venir aussi, encore une fois, utiliser un peu de colle, là. Mais pas beaucoup. Puis aux endroits où je le sais que je vais venir cacher. Parce qu'on sait qu'avec un acétate, ben ça paraît sinon. Fait que là, je viens utiliser un peu de colle. À date, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Ça doit pas, hein? C'est pas bien ben compliqué quand je fais une petite page simple de même. J'en ai beaucoup qui m'ont posé des questions sur deux choses. En fait, là, j'avais posé dans mon concours de live, est-ce que vous voulez que je fasse des kits page, des kits cartes, des kits mix média? Ben, comme la réponse a été quand même assez disparate, ben, je pense que je vais faire un peu de tout. Puis dès qu'ils vont être faits, ben, je vais l'annoncer ici sur la page, puis ça va être en vente dans ma boutique en ligne. En fait, ma boutique en ligne, c'est plein de surplus ou plein de produits que j'ai ici qui sont en vente parce que je vous les offre à des prix qui sont quand même corrects. Là, je pense pas que je sois trop chérante.
Puis c'est ça, fait que je vais ajouter, d'habitude j'ajoute mes cours, mais là comme on peut pas faire de cours en ce moment parce que on est en confinement, ben je vais ajouter des kits qui vont être achetables dans ma boutique en ligne, donc ça va être intéressant de pouvoir les acheter. Fait que je vais essayer de concocter un kit mix média, un kit page et un kit carte. Mes cartes, je suis sous toute réserve. Celles qui sont habituées de me voir faire des pages normales ou des créations mix média, mais je suis souvent en superposition, en hauteur ou quoi que ce soit, mais là, je ne ferai pas ça parce que l'album ne fermera pas. C'est ça. Je trouve que ça a besoin un peu de grunge à l'arrière. Je suis vraiment désolée pour mon chien. Je ne sais pas ce que mon chien me fait. Il est supposé s'en occuper, mais il y a de la misère. Fait que c'est ça. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, je veux aller un peu mettre de la texture à l'arrière. Donc, je vais aller juste quelque peu rajouter. Comme je disais, quand je prends ma Archival Ink, elle est un peu vieille. Donc, pas complète. Donc, elle fait un peu ce que j'aime du gribouillage. Puis, souvent, j'aime bien mixer deux textures pour aller faire un petit effet plus grunge. Comme ça, les papillons vont moins ressortir pour celles qui doutaient. Puis, ça va bien aller. Donc, voilà. J'utilise pas de bloc acrylique parce que je veux y aller en texture, mais si je voudrais que bref, il n'y a pas de raie, hein, mais si j'aime que le détail soit plus clair, là je serais allée chercher un bloc acrylique pour aller vraiment faire une belle texture. Super, fait que là on peut venir coller le tout. Là, je vais avec un fusil à colle chaude. J'aurais pu utiliser n'importe quelle colle. Vous êtes silencieuses, les filles? Ça va-tu toujours bien? Êtes-vous dans votre souper? Êtes-vous encore là? Y en a-tu qui le font en même temps que moi? Oui, ils font une page ou... Là, je suis en train de mettre de la colle. Hein. Fabrica Décorure m'ont changé leur petit pot de colle, puis ça se colle mieux maintenant. En fait, moins besoin de pression, donc c'est intéressant. Mais là, moi, j'ai les anciens pots à terminer. Donc là, c'est là que je vais venir m'amuser avec mes petits die-cuts. Qui en met souvent sur leur création? Je rajoute un papillon pour celles qui étaient sceptiques? Non, je fais des blagues. Donc, voilà, je suis silencieuse hein, quand je suis concentrée. C'est le moment là, de me poser des questions, là, de voir qu'est-ce qu'il y en est. Est-ce que, comme l'autre fois, il y en a qui m'écoutent en même temps? Ou peut-être que vous ne m'écoutez pas et c'est juste l'image. Merci, Émilie! Chance, t'es là! Bon, super, des die-cuts, tu utilises moins ça. Y a-t-il une raison? Pourquoi? Est-ce que tu aimes mieux des découpes? Est-ce que pour toi, des die-cuts, c'est pas quelque chose que tu aimes mettre parce que tu trouves pas ça beau? Ok, phew! La fougue du lion! Yes! Tu vois, j'aime bien rajouter des petits détails subtils qui sont entre les deux... que je rajoute en arrière.
C'est sûr que là, après ça, on va aller faire l'autre partie. Puis, ce qui est le fun quand on fait une page double, bien, c'est de faire un lien avec les deux. Un lien, je parle. Faut que la page fitte ensemble. Chance que cette magnifique colle-là est transparente puis qu'elle beurre pas trop. Parce que en le mettant, j'ai beurré. Mais ça paraîtra plus au final. Ah, ben ça, c'est une bonne idée. Quand on peint nos choses, ça va beaucoup mieux que si on utilise les choses, effectivement, des autres. Non, bon. À part ma batte avec, là, je vais laisser là comme ça. Ça se peut que je rajoute, que je fasse des étampes, des situations autres. Mais bon, voilà. Fait que là, j'ai décidé que j'utiliserais un autre lien avec un petit bébé. Parce que moi, des photos de bébé lion ou quoi que ce soit, je capote. Dans le bon sens du terme, là. Je capote, mais parce que c'est beau. Ça, je vais les mettre de côté. Sinon, est-ce qu'il y en a qui auraient des demandes spéciales de quelque chose qui aimerait se faire tirer ou quelque chose qui leur plairait? Je suis curieuse. Toi qui t'es pas obligée de répondre là, tu peux répondre en commentaire en réécoutant. Je sais qu'en commençant à 6 heures, ben j'ai une couple de monde qui mangeait. Je sais pas aussi, j'ai une autre question. Il y en a beaucoup qui ont des selfies à la maison, mais celles qui bricolent là, en ce moment. Est-ce que ça fonctionne encore les photos Walmart ou non à cause du COVID? Ça fonctionne pas. Est-ce que y en a qui ont essayé ça? Je suis curieuse. Et Nicole, là, c'est quoi que tu. Il y aurait quelque chose que tu aimerais? Des wax? en tirage? Écoute, je peux tirer wax, mais non, j'en ai pas. J'en ai pas en stock, mais tu peux me demander, peut-être que je l'aurai. Autre chose, ça sera à voir, mais tu peux me le dire, ou tu peux me l'écrire, ou tu peux me l'envoyer en message privé, ça va me faire plaisir. Mais je fais des blagues parce que Nicole, ça fait quoi? J'ai fait 3 lives. Sur les 3 lives, j'ai dit à Nicole que je ferais des wax. Wax, qui est ce magnifique produit-là de Funaber. Je vais le mettre là. Mais je vais te faire une démo après, juste pour toi, Nicole. Comme ça, à ce moment-là, tu vas voir le résultat. Mais je peux pas le faire dans l'album parce que ça servira à rien. Mais je vais le faire sur la création que j'ai faite la dernière fois. Bon, OK. Donc, c'est quoi ma question, là? J'aimerais que tu fasses un tour de caméra. non, elle est bordélique, là. C'est non. Une autre fois, oui, ça me ferait plaisir, mais là, en fait, là, vu que j'ai accueilli des chats, vu que j'ai des chats en accouplement, j'ai un mâle dans la salle à côté, fait que j'ai vidé les litières, j'ai des litières, ben des litières, je les ai pas vidées à terre, là, mais, ouais, ils sont comme dans le coin de ma salle de scrap, peut-être à la fin, Nicole, peut-être je t'en dois une, mais... sur YouTube, là, Nicole, j'avais fait ma salle. Tu sais, un coup que j'avais fait le ménage, là, j'avais fait ma salle de scrap un tour, puis ça serait pas pire. Je pourrais t'envoyer le lien en privé, comme ça, t'aurais un meilleur aperçu de comment ma salle est faite, parce que là, elle est pas montrable. Un autre jour, peut-être, mais je vais t'envoyer la vidéo, tu vois, il est quand même bien fait. Voilà.
Voilà, mais ça me ferait plaisir si le ménage serait fait, mais comme c'est pas fait, puis comme un jour je veux descendre ma salle de masseau en bas, faut que je refasse au complet ma salle de bricot pour être capable de bien l'accueillir, puis que les gens ils voient pas trop le bordel hein, de la salle de scrap. Mais oui, ça va me faire plaisir quand ça va être montrable, mais je suis un peu fierpette. Mais pas tant, là, mais un petit peu. Fait que là, pendant que je vous parle, je fais un peu n'importe quoi, mais pas tant. Mais pas tant ça. Tantôt, je vous parlais de quand je prends mon bloc acrylique, ben je vais aller l'utiliser, je pense, avec ceci. Mais peut-être pas. Peut-être pas parce que j'ai peur que. Non, c'est quand même droit. J'avais peur que ça fonctionne pas parce que c'était pas assez droit. Donc, je vais utiliser ça. C'est des étampes les citrons qu'il y avait eu. Ça fait un petit bout qu'elle avait sorti, que j'adore. En fait, j'aime beaucoup les fleurs. Que ce soit en étampes ou en fleurs normales. Mais quand on fait un mini, bon, on met pas trop de fleurs. Fait que là, je vais venir m'amuser à venir faire mon étampe. Je vais peut-être trop vite, pas assez vite. Je sais pas. Voilà. Ah, pour une fois, elle a bien fonctionné. Vous savez, pour bien nettoyer vos étampes, soit qu'on on a... Faut que je le trouve. Il est caché où? Ah, il est là. Qu'on a ça pour étamper à côté. Je sais pas si vous connaissez, ça nettoie vraiment bien. Ou soit moi, j'utilise un papier brouillon quelconque qui traîne, puis je vais aller étamper dessus. Il y en a qui lavent avec le nettoyant Stazon, ça va briser, surtout les étampes, les citrons, ça brise le polymère. Donc, elle le dit souvent dans les crops. Si vous ne l'avez pas entendu, je vous le redis, ça me fait plaisir. Parce que c'est plate d'acheter des produits puis de plus pouvoir les utiliser par la suite. Donc, je chantonne souvent, mais bon. Sinon, à part ma salle de scrap, y a-tu des demandes spéciales? Nicole, faut-tu rester jusqu'à la fin, hein, parce que faut absolument que tu me rechicanes si je le fais pas. Hein? Salut Brigitte! Il y en a qui arrivent, ça se peut que tu étais en train de souper, puis que tu décides qu'après ton souper, tu as le goût d'écouter ma charmante voix. Ah! Petite comique, hein, que je suis! Comme toujours. Alors, je viens refaire la même chose que de l'autre côté. J'ai le goût de m'amuser avec les fleurs. Si, admettons, mon étampe va pas bien ou que les détails, je les aime pas comme là, mais je vais venir les refaire en crayonnant. Parce que si je pourrais le refaire là, à la main, mais ça se peut que ça se mette moins bien. Puis là, tu sois déçu de ta fleur. Là, ça a marché parce que c'était quand même assez facile, mais souvent, on peut tout en beurrer. Fait que l'idéal, c'est de venir recrayonner à la main. Là, j'ai été chanceuse. Chance du débutant. C'est la première fois que je fais du bricot. Hein? Je sais pas pourquoi vous m'écoutez. Peut-être que je vais me planter. Ben non. Il y en a-tu que sont tannés d'être en confinement? Dis-moi le don. Es-tu tanné d'être chez toi? Ou il y en a qui prennent ce moment-là pour prendre une bonne pause, réfléchir à soi? Pas que vous êtes content du virus, là, mais non, je les lave pas plus. Surtout pas ceux de lime-citron parce que je veux pas briser le polymère. Fait que non,
Écoute, je remets tout dans les emballages, mais je lave pas. Jamais je vais utiliser du Stazon non plus. Du nettoyant Stazon parce que c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Pauvre Émilie, hein? Je te fais sortir de ta zone de confort. Je mets des papillons avec des lions. J'utilise des die-cuts. Je lave pas mes étampes. Ça dépend ce que tu prends. Mais j'ai, c'est pas du Stazon là, que je mets dessus. Fait que c'est correct. Tu sais, quand je disais qu'ils ont changé le pot, là, pas pour rien, hein. T'as envie de me faire mon entraînement de gym. Allez chercher un autre pot. Parce que vous allez être présent de ma magnifique patience. Qui est pas là! Qui est souvent absente, cette patience d'ange. Wow! Pas que j'en ai pas de pot, moi. Bon, tantôt, j'avais posé ça, là, comme question. Qu'est-ce que t'aimerais gagner dans des lives? Est-ce que tu veux gagner n'importe quoi? Est-ce que t'aimerais gagner plus des produits Fabrica Décoru? Est-ce que t'aimerais gagner un voyage à Cancun? Non. Ben oui, je peux te l'offrir en ce moment, mais tu ne partiras pas jamais de Québec. Une petite comique encore une fois. Mais non, y a-tu quelque chose que t'aimerais? Y a-tu quelque chose que t'aimerais entendre parler? C'est le moment, là. Bon, encore une fois, je vais venir m'amuser dans les die-cuts. Ha! Pour vrai, t'es excentrique. Hey boy! Non. Puis tu sais, l'idéal, là, ce que je montrais tantôt, Émilie, là, ça peut être aussi pour celles qui ont du remords, là. Tu le nettoies, tu mouilles un peu, puis tu vas venir estampiller dessus, puis ça va être parfait. Fabrica, je crois que tu commandes là et j'ai rien de cette compagnie. Bonne idée, Émilie! Ben écoute, c'est une compagnie ukrainienne. Et comme les boutiques de Québec et les alentours n'en commandent pas, mais ça me fait plaisir de le faire pour vous parce que je trouve que c'est des produits pas chers qui gagnent à être connus. Sinon, il y a d'autres compagnies. Des fois, je commande ailleurs, mais comme celui-là, c'est facile. Puis, en fait, le but, là, c'est pas de commander puis faire suivre les compagnies québécoises. Au contraire, c'est plus pour faire plaisir à des gens qui sont là, qui... Donc, l'idéal, c'est de pas trop nuire à les autres boutiques qui sont là. Fait que Fabrica... Fait pas grand monde les commande. Je pense qu'il y a Art du Scrapbooking des fois qui les commande, mais pas tout le temps. Il y a déjà eu Scrap Opus et Scrapbook Tendance, mais je les vois plus passer. Mais s'ils les recommandent, ça va me faire plaisir. Là. C'est une compagnie extraordinaire. Fabrica Décoré. Donc, ça va, je me passe par là. Hein. Mais non. Ça va bien aller. Oui, la diversité. C'est parfait. Puis moi, souvent, mais j'aime bien aller chercher des trucs que les autres n'ont pas pour l'offrir. Et non pour être marginal. Je suis en train de jouer avec le feu. Hein. Pas pour être marginal, mais pour l'offrir aux gens. Puis, oui, l'Ukraine, c'est pas à la porte, mais c'est des gens qui sont quand même fins. Puis... Ça, on peut encourager aussi, des fois. Mais là, présentement, on encourage local. Limstron! Super! Donc, c'est sûr que tantôt, je vais mettre des petits titres, hein, mais c'est ça que je cherchais. Quand je fais des pages, hein, c'est moins long que... Ben, j'ai pas de séchage, j'ai pas tant d'ajout à faire. Donc, ça se peut que le live soit moins long aujourd'hui.
Mais en même temps, à la fin, je vais peut-être faire un tour de salle si vous n'êtes pas fâché de voir mes litières. Puis sinon, je vais aussi faire un petit peu de wax. Ben ouais, dis de même, hein? C'est quand même une drogue chez les adolescents. Mais bon, je vais faire un peu de... Je vais faire un peu de wax pour Nicole. Fait que si je le fais pas, puis que je l'oublie, je vais m'en vouloir toute ma vie. Fait que là, toute ma vie, j'exagère, mais je veux pas non plus, encore une fois, l'oublier. Juste celle qui a gagné la collection complète il y a 2 semaines, trop hot. Ah oui, il y a quelqu'un qui a... J'ai même pas vu ça aller. Ah oui, elle avait fait tirer, c'est vrai. C'est qui donc qui l'a gagné? Oui, je l'ai vu aller. Excusez, c'est moi qui ai mêlé. Si TDAH de Cindy. Oui, c'est malade. Ben, en fait, Yannick de Limstron, là, c'est vraiment quelqu'un de... Je me suis mêlée de bord, moi, là, en vous parlant. C'est vraiment quelqu'un de très, très généreuse. Donc, ça m'étonne pas qu'elle ait fait tirer la collection au complet. Puis, si tu as la chance, Émilie, là, je sais pas si tu es à Québec, mais un crop week-end à aller, c'est celui-là. C'est toi qui as gagné, Émilie, pour vrai? Oh my God! Hein? C'est donc le fun. Mais est-ce que tu es de Québec, Émilie? Comme ça, tu pourrais venir voir la collection au complet, en vrai. Peut-être même que tu es déjà allé au crop Limstron, puis moi, je suis dans patate, là. Tu sais, je vois juste ta petite face en coin, mais je vais aller voir après, t'es qui? Peut-être que je t'ai déjà parlé pour vrai, là. Hein? Ça se peut bien. Bon, avec mon erreur, je suis en train de réparer tout ça. Voilà. La même chose. Salut Nadine! Comment est-ce qu'elle va, mon amie Nadine, qui arrête pas de travailler durant ce confinement-là? C'est un petit moment de pause pour toi en ce moment. Je pense fort à elle, parce qu'il y en a beaucoup hein, qui travaillent durant ce moment-là. OK, mais crème, tu viendras, Émilie? Ouais, Nadine, là, elle travaille depuis le début du confinement. Ça n'arrête pas son affaire, fait que je pense fort à elle à chaque fois. Moi, je recommence le 14 avril. Ça va me faire plaisir de recommencer. Puis de pouvoir faire en sorte de donner ma part, moi aussi, parce que je suis un service essentiel. Je suis éducatrice spécialisée pour celles qui ne le savaient pas. Donc, 14 avril, je retourne au foyer et... Comment est-ce que ça dit? 20 avril, je vais dans les services essentiels, dans les écoles. Oui, le télétravail, ouais, pauvre toi. Mais au moins, Nadine, t'as pas des jeunes enfants, mais t'as quand même des ados qui tirent du jus. Je n'enlève rien à tes enfants. Mais imagine, tous ceux qui font du télétravail avec un enfant de 2 ans dans les pattes, ça doit être quelque chose d'assez... d'assez grugeant parce que tu peux pas laisser ton enfant faire n'importe quoi. Faut t'écouter ce qui se passe dans ton télétravail. Faut que tu sois performant parce que tu veux finir ton travail. Ça doit être assez quelque chose. Ah, tu es éducatrice en... Ah, ouais. Fait que dans le fond, toi aussi, là, c'est CPE, donc plancher télétravail, toi aussi. Fait qu'en fait, je le sais qu'il y en a des gens qui ont des services de garde en milieu familial et ces personnes vont ont dû rester ouvertes pour les services essentiels. Je le sais aussi qu'il y a des CPE, là, ça a tellement changé. Hein. Salut Sarah Gauthier! Ça a tellement changé que je sais plus trop qu'est-ce qui est obligé, pas obligé à travailler. Mais, tu sais, pour tous les éducatrices, éducateurs, là, c'est un ajustement assez incroyable à faire. Mais, on lâche pas. On lâche pas, hein? Puis, y en a-tu, là, qui pensent que ça va finir dans 2 semaines? Vous pensez toutes que ça va être ultra long encore?
mettons, là, si on fait des suppositions, vous pensez que ça va être quand? La fin de tout ça? Hey, Nadine, arrête de carrer mon mini. Regarde, t'as peu, juste pour toi, il reste cette page-là, puis cette page-là. Tu sais, à la vitesse que je vais, là, je pourrais clencher ça en deux jours, mais j'aime ça le faire. En fait, j'apporte mon mini soit en crop, soit en week-end, soit en chez des amis, parce que j'aime voyager léger, puis je le termine à ce moment-là. Fait que là, j'ai décidé, oh, je vais le faire asseoir, comme ça, ça va être une page de fête, d'ajouter. Non, on rentre pas 1er mai, pas les écoles et les garderies, je crois, peut-être certains commerces. Pas 2 semaines, peut-être fin mai. Oui, je sais, ouais, c'est dans 3 semaines, mais je demandais plus, c'est quand tu penses, salut Nathalie, en passant, c'est quand tu penses que ça va finir, toi, le confinement complet, là? T'as-tu des prévisions? Je dis 2 semaines, mais... J'exagère, comme toujours. Merci, Sarah. Mais là, c'est sûr que Sarah, t'as écouté une couple de live où ce que j'étais en mix média. C'est plus du mix média. C'est du... Je mets des die-cuts. Mais c'est une autre façon de... travailler. Quand je parlais que j'adore cette colle, ben je peux venir en rejouer. Sans bouger, elle sèche pas vite, mais elle sèche quand même vite. Fait qu'on est capable de repositionner des affaires quand on a fait des erreurs. Puis, faudra pas, j'oublie mes affaires, les citrons, tantôt, hein. C'est certain que je vais vouloir y ajouter quelque chose. Là, j'avais comme une petite feuille aimantée. Là, je pourrais pas y aller avec le bloc acrylique parce que ça fonctionnera pas. Je te niaise, moi aussi, il est dans les projets. OK, il est pas fini, Nadine Saint-Pierre. Toi, t'as pas le droit. Toi, Nadine, ça doit être fini. Moi, non, mais toi, faut que ça soit fini. Je fais des blagues. Je vais arrêter de dire que je fais des blagues parce que vous le savez, avec le temps. Je fais des blagues qui sont toujours pas drôles. Il y a mon chum qui rit. Il y a mes amis qui rient. Ou peut-être que des fois, je fais trop pitié avec mes jokes plates. Fait que vous riez, mais vous riez de moi. Ah oh, bon, ça y est. Incompris, Cindy. Bon. Là, j'ai joué avec le feu, là, parce que j'ai pas pris de bloc, parce qu'en dessous de ça, il y a trop de détails. Ça a fait une chirure, mais garde bien ça. Voilà! Ça paraît plus trop. Puis là, je voulais venir mettre un petit peu plus de détails, parce que c'était pas assez grunge de tantôt. Fait que Nadine, on devrait faire une course. Qui va avoir fini ce mini avant l'autre? J'aimerais ça que tu gagnes. Mais en même temps, j'aimerais ça gagner. Parce que, mais que j'ai gagné, je vais pouvoir faire un autre mini ou un autre truc parce que j'ai acheté une affaire en tissu pour me faire un mini, une couverture en tissu que j'aimerais bien utiliser. Bon, ce que je voulais faire, ça, je vais venir y ajouter quelques autres trucs. Pour y ajouter des décos. Puis là, j'y vais faire ces die-cuts, là, mais pour vrai, pour tout le mini, au complet, là, j'en mets quand même beaucoup. J'ai utilisé un paquet de die-cuts qui vient, je vais aller vous le chercher.
C'est toujours mieux. J'ai un paquet d'iCut comme ça et les deux pages, la page couverture, puis la page du 6-6, là, puis j'ai, il m'en reste encore en masse. Puis regardez, j'en utilise vraiment beaucoup. Des fois, je m'en fais des propres embellissements. Mais tu sais, il y en a là, du die-cut. Là. J'ai pas lessivé, comme on dit. Puis j'ai utilisé plein de retailles. Fait que c'est sûr que c'est pas un mini qui m'est revenu cher à faire. Fait que je te rappelle aussi, en écoutant ce live-là, si tu as des questions, si tu aimerais commander. J'ai une commande en attente, dans le fond, de Fabrica Décoru. J'attends d'avoir quelques autres personnes. Je devrais commander, si c'est pas cette semaine, la semaine est pas mal entamée. Peut-être plus la semaine prochaine que je commanderai. Puis, si tu as besoin, là, il y a deux collections qui viennent de sortir. Je l'ai partagé sur cette page-là. Puis, il y a aussi plein d'autres papiers que tu peux avoir achetés qui sont vraiment intéressants. Fait que si tu as besoin d'infos, tu me le demandes. C'est un ordre. Ouais, Nadine, ben si j'ai de l'avance, c'est le temps, là. T'as le temps, toi, tu fais juste du télétravail. En fait, moi, je recommence, je l'ai dit, hein, le 14 avril. Fait qu'à partir de là, je vais essayer de vous gâter puis de faire des lives encore. J'en ferai peut-être pas trois par semaine. Je vais essayer de m'en faire un ou deux avec vous. Fait que comme ça, ben, ça se peut bien que Nadine, je te rattrape parce que si je décide de refaire un live sur, tu sais, de refaire soit cette page-là, soit cette page-là ou celle-là en live, ben, t'es dans la boîte, là. Hein? Oh oui, oui, tu pourrais te faire plaisir, puis dans le fond. Dis de même, hein? Quelqu'un qui m'écoute, bah oui, fais-toi plaisir! Mais oui, 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 tu pourrais te faire plaisir, Émilie. Ça me ferait plaisir de commander pour toi. Puis comme tu restes à Québec et comme je travaille comme un service essentiel, quand je vais avoir la commande, je vais être capable d'aller le livrer sur votre perron. Puis prendre arrangement sans se toucher, en allant dans les règles de l'art du confinement. Parce que je veux pas être à l'encontre d'eux. Mais oui, il y a moyen, là. Tu sais, moi, tant qu'à avoir des papillons, j'en ajoute. Tu sais, question de jouer avec le feu. Salut, maman! Maman qui regarde. Maman, là, c'est ma meilleure fan. Mais un jour, elle va peut-être bricoler. Mais elle déteste tellement ça, là. J'ai essayé autant comme autant de la faire bricoler avec moi. Peut-être que ça serait le moment, là, à distance, qu'on fasse des... Mais elle n'est pas très patiente. Hein? Ah, mais oui, il y a moyen. C'est juste que si on n'est pas à Québec, Émilie, ben c'est plus dur, dans le fond, parce que souvent, les papiers sont plus gros qu'une enveloppe, donc ça devient un colis, puis ça revient cher, mais c'est pas si pire que ça, puis tu sais, le prix des produits n'est pas si pire. Ça revient avantageux. Ouais, ouais, ouais. J'avais mal compris, Émilie. J'avais compris que tu restais à Québec. C'est ta famille qui reste à Québec. Quand tu descends, ça ne donne pas que ça soit le crop. Là, j'ai compris, je pense. Bon, super. Fait que là, c'est le moment. J'ai pris une coupe d'étampes. J'ai pris une coupe de die-cut. Je me suis amusée. Il y en a qui pourraient coloriser les fleurs s'ils veulent. Moi, j'aime que ça soit noir et blanc. Parce que je trouvais que le rose était assez punché. Puis on va venir ajouter d'autres trucs. Bon. Et là, ben, je vais me gâter. Je vais me gâter avec les trucs de Limstron que j'ai. Oups! Me gâte à renverser tout ça. Hein. Je vais le mettre. Puis, il y a quelqu'un qui me... Je pense que c'est toi, Émilie. Je sais pas si c'est toi. Ou quelqu'un d'autre cette nuit, parce que je dormais pas. Je suis revenue à Samniac, malheureusement. Si la découpe coupait bien, ben effectivement, elle coupe très, très bien.
One Shot, c'est fait dans Big Shot, puis ça fait une job incroyable. Donc, je vais réfléchir à mes questions pour le prix après le live, puis vous resterez à l'affût avec ma page parce que je repartage la vidéo que je mets sur ma chaîne YouTube. Puis, je suis pas patiente, mon truc colle pas bien. Puis, après ça, je repartage la photo du magnifique prix. Je sais pas encore ça va être quoi. Ça va me faire plaisir de magasiner dans ma salle après. Puis, et je te pose des questions. Sois à l'affût. Si tu réponds à moitié pas mes questions, mais je compte pas ton nom. Hein? Je suis plate de même. Je suis pas si plate, là, mais en fait, c'est à ça que ça sert, hein, poser des questions pour un concours. Ben, je m'amuse. La suite, je vais ajouter du crayonnage un petit peu. Puis, là, c'est sûr que je veux pas que vous me voyez la tête. Souvent, je vais venir refaire les flammes, mais là, ça a comme eu de l'allure, comment ça a bien fonctionné. Il y avait ici que je voulais refaire du contour. Puis, des fois, là, je fais un... Mais là, c'est sûr qu'il y a un petit peu noir dessus, fait que c'est quand même intéressant. Puis, quand je disais qu'il y avait un lien, il n'est pas obligé d'avoir un lien entre... Tu sais, je ne suis pas obligée de mettre un fil conducteur, mais on voit le fil conducteur déjà là avec la photo. Lui, regarde par là. Eux regardent par là. Fait que ça nous aide à faire un fil qui est conducteur. Ah, oh, oui. Tu veux que je recommence? Je l'ai fait tantôt, mais tu arrives en retard. Ça me joue le temps à la fin, là, durant vos commentaires, de vous les montrer. Donc, tantôt, c'est ça que je disais. Je me garde. Fait que je vais regarder les titres. Ça, c'est le... voyons. Le kit photo. Puis, ça va être mes titres d'ajouter. C'est sûr que je n'irai pas y mettre un paysage urbain, vous pensez? Sinon, je regarde. Ça a vraiment fait des beaux... Sans frontières, puis instant précieux. Je pense que j'aimerais bien. Oh, magnifique journée. C'est sûr que... Peut-être celui-là. Tout est possible. Ouais. Oh boy! Nadine qui parle de son gros chien. Je vous le dis, Nadine, son chien est vraiment, vraiment gros. Écoute. Ouais, ben non, mais c'est correct que tu prennes une marche, t'as bien le droit. Moi, je vais sûrement avoir le temps. J'ai une réunion à 8h30. Peut-être que j'aurai le temps entre les deux. Sinon, ben, ça va être demain. Je vais profiter de mes derniers instants de pause. Donc, voilà. Mes petits titres. Voyons, j'ai de la misère à faire le focus direct. Tu veux acheter deux albums. Super, Youssef. On regardera ça ensemble. Viens me voir en privé. Voilà. Puis là, la dernière fois, j'ai fait dans un live, j'ai utilisé ça. Puis, il était pas... Oui, des papillons puis des lions, tout est possible. C'est comme Nadine qui marche avec son gros lion. Nadine, elle a un petit Yorkshire.
Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un gros lion. Je vais vous montrer. Ah, mais je vais le faire après parce que Nadine voulait que je monte. Puis après ça, je vais vous le montrer. Puis je vais le mettre de côté parce que si je mets les dots tout de suite, ben je ne pourrai pas tourner. Ça va être mon dernier petit lien que je vais faire. Donc, Nadine, pour toi, voilà. La couverture, tu l'as fait avec moi. Tu sais c'est quoi? Donc, voilà. La première page. Celle-là aussi, je l'avais collée. Je pensais que je l'avais... jouer. Celle-là, j'aime beaucoup les animaux, hein? Ça paraît. Ici, j'avais fait une petite pochette. Fait que tantôt, Émilie, tu me disais, il n'y a pas de thème dans ton album, mais en fait, oui, le thème, il est couleur, puis un peu du noir et blanc, un peu shabby. Vous le voyez, là, ici, j'en avais mis des dots. Faut les laisser sécher, parce que sinon, ça va tout s'effarer. Ça prend un bon... une heure environ. Voilà, c'est les mêmes photos, hein? Ça paraît pas. J'ai fait beaucoup de doodling sur ceux-là. C'est sûr que là, je voulais pas que vous me voyez à la tête. Fait que si je fais du doodling, c'est celle-là que je voulais finir. Je pourrais la finir avant la prochaine fois. Comme ça, ce serait plus beau. Puis, cette page-là qu'on a fait ensemble. Puis là, il m'en reste 3. 1, 2, celle-là va être plus longue parce que c'est la fin, il y a plus de pochettes. Mais ça va quand même bien, Nadine. 3 pages et demie. T'es capable. Tu vas y arriver. Bon, OK. Donc, c'est ça. Cette semaine, ce que je disais, c'est que quand j'ai fait le live, ben des fois, ils se rebouchent quand ça fait longtemps. Fait qu'il faut les checker. Puis, je les avais pas préparés d'avance. Ceux-là, ils sont pas si pires. Mais les autres, ça faisait quand même longtemps que je les avais pas utilisés. C'est pour faire des dots. Vous voyez? Donc là, celle-là fonctionne. Je vais vérifier celle-là pour être sûre de ne pas vous faire un dégât. Ça aussi, hein, c'est Fabrica Décoru qui les fait. Puis, ça fait vraiment des beaux dots intéressants. J'en avais qui traînaient. Je vais aller vous montrer ce que ça avait fait. Ils traînaient, mais pas trop loin. Vous pouvez prendre une feuille acétate, puis vous en préparez d'avance. Puis quand vous en avez besoin, oups, vous les prenez, puis vous venez les décoller. Comme ça, ça vous fait vos propres dots qui ne coûtent pas trop cher parce que vous avez tout ça. Il y a 30 couleurs environ. Il y en a des avec des Skittles. C'est ça? Skittles? En tout cas, il y en a qui sont brillants. Donc, ça peut être vraiment intéressant à utiliser. Donc là, c'est ce que je dis. Je vais venir faire un petit lien. Mais pas extrême. Puis, là, c'est ça. Faut que j'y aille avec parcimonie, comme on dit. Puis, je suis plus concentrée. Parce que des fois, ça fait moins des belles gouttelettes. Des fois, ça en fait des belles. Ça dépend. Mais, je suis pas très perfectionniste. Voilà. J'ai pas vu vos questions. Hey, merci, Nadine. Fait que t'as de la pression, hein? Faut que ça soit fini. Puis là, comme je disais, allez pas, quand vous faites des dots, allez pas fermer votre album. Vous allez tout scraper ce que vous venez de faire. Là, c'est sûr que ce côté-là, mais ça penche. Fait que ça se peut que ça scrape mon travail. En fait, j'habite à Québec, Youssef, donc je pourrais te parler en privé puis te donner le lien. Je pense que pour toi, ça serait plus simple de commander directement chez Fabrica Décoru. Puis parce que le transport coûte moins cher d'aller en Europe que de venir à Québec et de repartir en Europe. Donc, ça va me faire plaisir de te donner les liens. On se parlera en privé. Voilà. Donc, voilà, ma page serait terminée. Je vais la mettre de côté et... je vais faire ce que Nicole m'avait demandé la dernière fois et l'autre fois et l'autre fois d'avant. Puis, je vais pouvoir te montrer c'est quoi. Bon. Donc, vous vous rappelez, cette semaine, j'avais fait cette tag-là en truc. Ah, mais là, Nadine, c'est sûr que tu vas faire aussi beau. Arrête de stresser avec moi. Voyons. Bon, j'avais fait ce dye-là qui était quand même assez brillant. Puis, je vais venir y ajouter de la wax. Là, Nicole, t'es-tu à l'écoute?
T'es-tu encore là, Madame Nicole Perron? Parce que je fais ça pour toi. Oui, OK, fiou, t'es là. C'est bon. Fait que là, c'est sûr que le projet qu'on a fait la dernière fois, là, c'était avec de l'argent. Fait que je vais y aller avec un petit peu de wax argent. Des fois, il y en a qui vont le faire avec des couleurs plus punchées, mais là, c'est sûr que là-dessus, ça fait moins beau. Il y a des gens qui détestent l'odeur des wax. Là, je fouille dans si je trouverais pas une autre couleur pour toi. C'est comme une petite noire, mais il n'y en a pas. Je sais que Finavert a sorti des wax moches. Je les ai pas achetés. Donc, je peux pas te dire si ça fait bien ou pas. Mais je vais te le montrer aussi une autre couleur là-dessus. Ou... Je vais trouver autre chose. Je le fais-tu sur le hibou? Ouais, je vais le faire sur le hibou. Je vais faire une couleur rouge avec or. Non, mauve avec or. OK? Fait que là, tu vas en avoir pour ton argent. Ceux qui étaient tannés de m'écouter, désolé, je continue. Ça fait pas tant longtemps, par exemple, le live, puis j'ai fini les pages, fait que je peux me permettre. Donc, la wax, là, c'est comme une cire. Elle est un peu séchée, mais pas si pire la mienne. Donc, moi, j'utilise mes doigts. Il y en a qui vont utiliser un petit... Attendez. Faut que je trouve. Ouais, je n'ai plus mon pinceau. En tout cas, il y en a qui vont utiliser des pinceaux brossés comme ça. Il y en a qui vont utiliser des petits doigts comme ça. Ça dépend vraiment de ce que tu as le goût. Moi, ça ne me dérange pas d'être barré. Ça tâche un peu. Donc, c'est sûr que si tu vas à un souper, ben, prends-toi quelque chose d'égal. Ou... Mais moi, j'aime ça toucher les produits. Donc, voilà. Là, je vais y aller un petit peu. Pour venir y donner un petit côté vieillot. C'est sûr que si ma création serait noire, mais là, le argent ou d'une autre façon, ça paraîtrait. On peut venir en mettre sur les fleurs. C'est un embellissement de Prima. Ça fait un petit bout, Nicole. Il faudra regarder s'il en reste. Vous voyez, tu sais, l'autre fois, je trouvais que le titre ne ressortait pas main bien, mais... On peut venir juste y faire une petite touche pour venir y faire mettre des détails. On pourrait venir ancrer avec la wax. Puis là, encore une fois, moi, ça me dérange pas de me beurrer les doigts, mais ils vont rester beurrés. Là. Après, là, je vais juste finir celle-là. Tu sais, durant la création, je dis « Oh non, je l'ai beurré, j'ai mis du noir. » Tu sais, si j'avais pas oublié Nicole, là, j'aurais mis tout de suite la wax comme ça pour venir jouer. Mais j'y ai pensé après. Pas grave. Trop tard. Puis, je vais aller chercher aussi une création, ben, un bout de carton peut-être qui est noir pour te montrer la différence. Mais là, on a vu sur une création comment qu'on pourrait bien... Ah, j'aurais pu aussi en mettre sur le blanc, juste pour venir un peu salir, venir mettre un petit brillance là-dedans. Bon, alors voilà. Fait que je mets ça de côté, Nicole. Ça, c'est une partie. Je vais aller chercher un carton noir. J'essaie de voir quelque part proche. Proche. Je l'ai fait un peu sur le titre, là. C'est sûr que je vois un... Voyons. Je n'ai pas de carton noir, mais je vais te le montrer sur ici, ce que ça ferait. Comme ça, on va le voir sur le noir, mais ça vient ressortir. Vous savez, Finabert, elle aime beaucoup travailler sur du noir ou sur deux tons. On le voit un peu. C'est drôle, hein? Sur le fond, il est rose. Puis, dessus, il sort mauve. Super! Fait que là, on va aller faire le hibou. J'avais dit que je mettrais
du mauve, qui est la couleur, ça vient de me beurrer la main, Royal Robe, Robes, et la couleur Vintage Gold. Je vais-tu trop vite, Nicole, ou ça va? Je pense que non, là. Je peux pas inventer, puis moi, j'adore l'odeur. Là. Je pense que dans une autre vie, j'étais un cireur de chaussures, là, comme des centres d'achat ou d'un vieil... Mais non, je fais des blagues. Ah, ben regardez, sur du blanc, il ressort moins. Là, c'est ça, c'est des... faut les connaître, là, nos... Les wax, moi, je les utilise pas bien, bien. Je vais aller chercher la rouge. La rouge, voir si elle ressortirait mieux. Je pense que oui. Bon, tu vois, mais je pense que Nadine et c'est Chantal, là, je pense qu'ils capotent comment ça pue. Fait que ça dépend vraiment des goûts de chacun. La rouge est vraiment punchée. Je pense que je sors pas à soir. Je vais pas veiller parce que sinon... Hein? Regardez comment on peut venir mettre des détails. Ressortir. C'est pas long, là, que ça fait quand même quelque chose de beau. Le rouge est plus liquide. Ça, c'est souvent avec la pigmentation de la couleur. C'est peut-être un bout que... sur ma tablette. Mes cheveux l'ont pas trop magané. Mais tu sais, le wax, peut-être que ces mâts vont faire mieux, là. Dans le sens, mais il y en a-tu qui ont les mâts à la maison, qui les ont essayé? Peut-être que le mât va pas faire cet effet-là, va faire l'effet mât, pas deux tons. Parce que Finaber, ces produits, ils jouent beaucoup dans deux tons. Quand on parle de ces... quand c'est peinture métallique, là, mais ben, ils sont sur deux tons aussi. Fait que c'est sûr qu'elle, c'est quelque chose qu'elle aime beaucoup. Là, normalement, je le sèche pas. Je le laisse aller. Oui, c'est ça, Nadine, j'étais pas folle, me rappelais. Je le laisse sécher à l'air libre sur mes créations, comme pour l'autre, mais là, je veux juste le prendre dans mes mains. Puis, comme le rouge était plus liquide, je vais le sécher un peu. Celles-là qui se font des embellissements résine, là, super bonne idée pour venir après ça les coloriser de la couleur de ton projet. C'est une bonne idée, ça se fait bien. Donc, on peut... C'est sûr que il était vraiment liquide. Fait que là, je suis venue retravailler la tête en me disant, OK, je la mets d'une autre couleur. Je peux remettre du mauve, mais il ne ressortait pas tantôt. Si le hibou avait été noir, mais j'aurais pu y aller avec du mauve, du rouge, puis venir jouer en séchant. Ça sèche quand même assez rapidement, là, comme une cire à chaussures. Voilà. Voilà, 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 voilà. Donc, est-ce que Nicole, ça l'a bien répondu à ta wax? Parce que ça fait un petit bout que tu me le demandais, puis malheureusement, je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu le faire, puis avant de terminer le live, ben je vais présenter, parce que Nicole, là, j'y dois ça, parce que je l'oublie, ça fait trois fois. Avant de vous présenter ma salle au complet, en désordre total en ce moment, peut-être que vous allez voir les chats aussi, le prochain live sera jeudi. Je vais vous offrir soit jeudi dans l'après-midi ou jeudi soir. Il y en a beaucoup qui avaient dit dans l'après-midi, puis il y en a d'autres qui aiment mieux le soir. Fait que je vais vous offrir, là, ça va être une des questions pour le prochain prix. Vous déciderez pour jeudi. Puis aussi, j'ai posé une autre question. Quel genre de produit tu aimerais que je commande ou quelque chose comme ça, puis tu me répondras. Ça va être toujours des questions comme ça. C'est important de bien répondre aux deux questions pour être capable d'être éligible au tirage. Pourquoi je te demande de répondre aux questions? Plus il y a de gens qui vont répondre à mes questions, plus moi, ça m'aide à acheter des produits pour toi et te rendre service pour être plus gentille avec toi. Fait que c'est pas pour être tannant, c'est juste pour être encore mieux dans ce que tu as de besoin. Tout le monde qui m'écoute en ce moment. Donc, t'es prête, Nicole? J'y vais avec un tour de la salle. Ouh, bordel! Fait que, en fait, là, ça ici, c'est... il me dit de retourner... pour une fois, vous allez être à l'endroit. En tout cas, voilà. Fait que dans le fond, ici, c'était un peu mon bordel pendant que je crée.
ici. Puis c'est vraiment pas à l'ordre là en ce moment. Là. C'est vraiment plus beau sur mon vidéo. J'ai une fenêtre qui mène sur dehors, puis c'est mon setting vidéo pas très clean. Donc à ma droite, j'ai un peu plein de paquets, puis ça va jusqu'à par terre. Puis j'ai une méga armoire si je recule un peu. Où est-ce que j'ai vraiment beaucoup trop de stock? Dans la vie, là, moi, j'ai beaucoup trop de stock. Là, je m'étais mis des bacs sur le côté parce que je mets mon stock pas loin. Si j'ai des questions ou si j'y vais avec autre chose, j'ai ma mop. Si, en fait, là, c'est ça. J'ai mes racks à papier avec des vieilles ou des nouvelles collections qui sont là, mettons, Seven Dot, Fabrica Décoru. Puis là, j'y vais avec des collections que j'avais. Ça, c'était ma salle de bain et isolement. Oui, oui, c'est vraiment le bordel. je vous dis, je vais vous montrer, je vais vous mettre en lien ma vidéo. C'était beaucoup plus beau avant, mais là, avec les chats, c'est de la chenoute, hein? Fait que c'est ça, regardez, il y a mes deux cocottes qui sont... qui ont foutu le bordel avec mes trucs. Puis là, ils sont en train de faire dodo à côté. Sont-tu belles ou sont pas belles? C'est ça. Fait que c'est ça. C'est le bordel, là. Ça, c'est ma salle d'isolement pour mon mâle, en attendant. Puis, de l'autre côté, ben, il y a une partie... oh, arrête! Tu fais vraiment... J'ai presque rien. Oui! C'est vrai, on devrait faire un GoFundMe pour que je m'achète du nouveau matériel. Regardez ça, c'est ma commande qui est arrivée. J'ai trois paquets à déballer. Ces trois-là. Ça, c'est toutes mes commandes que j'ai. Là, je suis là, je pointe avec mon pied. C'est des commandes de Fabrica que j'ai pour faire mes cours qui sont en attente parce que malheureusement, ben, je dois attendre avant de recevoir des gens ou d'aller chez des gens parce que vous savez que j'offre aussi d'aller faire un tour chez les gens pour donner le cours parce que je sais qu'il y en a qui sont allergiques aux animaux. Donc, ça me fait plaisir d'aller chez vous. Donc, ça, c'est ma couture et mes autres affaires. C'est quoi? Ouf, une chance que tu vois pas chez nous. OK, écoute, moi, je trouve ça bordélique, solide. Fait que là, comme je vous disais, comme j'ai isolé, mais j'ai deux litières, fait que c'est moins aidant. Ça, c'est du stock de Fabrica que j'ai en quantité industrielle. Ici, ben c'est sûr que tout est serré aussi dans mes tiroirs. J'ai vraiment, vraiment trop de matériel. Mais c'est ça, c'est ça. C'est la vie, ça, c'est des tags. Là-dedans, il n'y a rien, là-dedans, il n'y a rien. Puis là-dedans, j'ai encore une coupe de matériel. Désolée hein, pour la litière que je vous ai montrée. Mes fleurs que je dois revirer de bord parce que mes chats jouent dedans. J'ai encore une fois du matériel de ce côté-ci. J'ai d'autres médiums qui sont là. D'autres là. Fait que c'est un peu ça. C'est le bordel. On veut réaménager. Parce qu'en fait, ma salle de masso va être là. Fait que si les gens passent là-dedans, ça va être bizarre. Voilà. Voilà le tout de ma création. Fait que là, je peux pas revirer le cellulaire de bord. Ils veulent pas. Ils me chicanent. Fait que je vous dis un gros merci de m'avoir suivi. Puis, je vais le mettre sur ma chaîne YouTube. À la fin, peut-être, je vais couper le bout du bordel sur ma chaîne YouTube. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis, peut-être pas. On verra. Ça dépend de mon intégrité personnelle. Puis, je vais rester à l'affût. Je vais vous mettre le prix que je vais choisir dans quelques temps. Hey, merci là. Bye bye.